Voici la 11e vidéo du cours de dorure réalisé par Rinaldine. Le cours complet est constitué de 11 vidéos plus une vidéo d'introduction. Pour obtenir des frises dorées en relief, il faut d'abord créer un relief en utilisant la fameuse mixtion à relief pour dorure. La mixtion à relief s'applique sur les superficies avec une poche à douille que l'on utilise pour les décorations en pâtisserie. Après que la mixtion se soit solidifiée, vous pouvez appliquer la feuille. La feuille or véritable et argent véritable vont aussi bien que la feuille imitation. Si vous utilisez la feuille or imitation, vous devrez ensuite passer un vernis protectif pour éviter l'oxydation. Un vernis protectif doit aussi être appliqué sur la feuille argent véritable. Voici le vernis protectif à l'alcool fourni par Rinaldine. Maintenant, j'applique la feuille or imitation. Pour cette décoration, en revanche, je veux utiliser une feuille or véritable. On pourrait aussi utiliser la feuille or véritable décalco ou transfert. Ici, par contre, j'utilise une feuille argent véritable. Il faut se rappeler que l'argent a tendance à s'oxyder et il faut donc le protéger avec un vernis. À la fin, je nettoie avec une brosse tous les fragments de feuilles en excès. Vous trouverez tous les produits pour la dorure sur le site www.rinaldine.com.